Youn conseiller spécial président République là Joseph Lambert fait connait loi électorale là a permettre KTKEP à organiser élection pour poste sénateur yo pendant refuser préciser si c'est pour 10 sénateurs ou bien 20 élections ça yo a fait. Ancien président Sénat mandé sénateur qui était élu sous loi électorale 2008 là prend chemin dialogue avec chef l'État pour joindre une entente sur question mandat. Pour Joseph Lambert, projet loi électorale exécutif là déposé devant parlement conforme à constitution amendé a. L'était dans micro Eddie Jackson Alexis à Il de reste. Un fait est certain, c'est qu'il y a la loi de 2008 qui est debout. Et il faut une autre loi ou bien un amendement porté à la loi de 2008 pour capable gagner une autre loi. De toute façon, loi ça qui est déposée là, journée jodia, il va chasser automatiquement la loi de 2008 qui là, journée jodia. Et qui automatiquement va la bouger. C'est le CEP a dévoyé un texte dans le palais national, noté corrigé. C'est le même qui vient là. C'est bien texte, ça, avec bien sûr des anomalies de bail que nous avons constaté en tant que Conseil des ministres en délibération très cher. Mais il revient au Parlement et au Parlement seulement, au niveau des deux branches. De pouvoir ça, qui va le déterminer en définitive qui loi que la doté pays. Un fait est certain, c'est que jeudi, nous capables clairement dit que loi ça permet que la question de femmes considérée en donne, le quota des femmes, la question de 25%. Et si premier candidat devant ses deuxièmes de 25%, il automatiquement gagne, même lorsque il n'a pas fait 50% plus 1. Et puis la question de double nationalité, loi, dans l'amendement qui était voté. En fait, nous avons une loi qui est en total, un projet de loi, qui est en totale adéquation avec la Constitution. Les élections qui vont être organisées aujourd'hui, ce sont des élections sénatoriales. Pour combien de sénateurs, écoutez, la loi électorale de 2008 fixait la fin du mandat de l'autre tiers du Sénat au deuxième lundi de janvier 2014. Donc, Constitution ne conclut pas pour moi, s'il vous plaît. Allez-y. C'est moi-même qui vous dis ça. Allez-y. Même dans des donc. La fini quand même. Et la Constitution établit la durée des mandats. Et ces sénateurs, normalement, devaient passer 6 ans ici au Sénat de la République. Aujourd'hui, et comme le président l'a si bien dit, il faut une formule consensuelle, il faut un compromis avec les sénateurs pour déterminer si effectivement il a parti au deuxième lundi de janvier 2014 ou bien s'il reste encore au Sénat jusqu'au deuxième lundi de janvier de l'année 2015.